David Philippe nous a présenté les outils numériques, mais vous avez également les outils dits d'époque, les outils analogiques. Peux-tu nous les présenter, s'il vous plaît? Oui, bien, dans le fond, la plupart des documents, en fait, la plupart des outils analogiques sont maintenant tous numériques. Mais à l'époque, il fallait tout le faire à la main. Donc, mettons, là, on a l'inventaire version Excel, ce qui est assez facile à faire aujourd'hui. Mais à l'époque, on y allait aussi à la main. Wow. Et donc, il fallait vraiment numéroter. C'était vraiment important de mettre toutes les informations sur nos inventaires parce que c'était là-dessus qu'on cherchait. Alors qu'aujourd'hui, on a les fonctions recherche. Donc, l'important, c'est vraiment mettre l'information à quelque part pour retrouver et puis faire le lien entre le document et les mots-clés et les métadonnées qu'on y met dessus. Est-ce qu'il y a des avantages à chercher avec les outils analogiques versus numériques? Certaines fois, oui. Des fois, pour X et Y raisons, peut-être que des fautes de frappe, ça peut arriver très souvent, on ne trouve pas le document qu'on cherche. Donc, des fois, juste avec le document analogique, ben, on peut justement, en lisant, puis essayer de comprendre comment le fond a été construit, on peut vraiment essayer de retrouver exactement où est-ce qu'était le document. C'est sûr que des fois, ça peut être un peu plus long, mais on y arrive. D'accord. Vous avez également des biographies, vous avez des photos, tout ça. Est-ce que c'est important d'en conserver une copie papier? C'est toujours pratique. Disons ça de même, vu que ça ne prend pas beaucoup d'espace dans une boîte, par exemple, donc c'est assez pratique. Mais c'est sûr que version numérique, c'est la recherche, parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Mais des fois, elle peut avoir des fautes. Fait que... Le Centre d'archives du Régional de Portneuf a des alliés, des sociétés d'histoire, par exemple. Est-ce que vous pouvez, peux-tu nous expliquer le partenariat et à quoi servent, en fait, les collaborations que vous avez? Dans le fond, c'est pour la réalisation des projets. Étant donné que je suis, on est une très petite équipe ici, si on veut faire des gros projets de diffusion, c'est sûr qu'on a besoin de collaboration avec les autres organismes, donc que ce soit les sociétés d'histoire, la MRC, ou même à l'extérieur. Comme par exemple, on a fait le projet Chronoscope. C'est en lien avec l'ENAP et la Ville de Québec. Dans le fond, c'est un projet où, dans le fond, on met en ligne différents documents d'archives, donc surtout des photographies en fait, et on permet au monde, dans le fond, de commenter, dater, identifier ces documents-là. On les met en haute résolution, donc vraiment, on peut vraiment zoomer sur l'image, aller chercher les petits détails, ce qui permet de justement identifier. C'est un gros projet, dans le fond, de collaboration entre les différents partenaires et avec le public. Est-ce que ces partenaires-là possèdent les mêmes outils de travail que vous? Théoriquement, oui. On utilise habituellement des inventaires, on utilise toujours des descriptions de fonds pour se retrouver, mais la façon de faire peut être différente un peu, comme dans le fond. Habituellement, c'est sûr qu'on a toujours une description, mais c'est comment qu'on met les mots-clés dans ces descriptions-là qui peuvent changer un peu. Quand on fait une recherche, pourquoi devrait-on aller voir le centre d'archives plutôt qu'une société d'histoire ou le BANQ? Dans le fond, BNQ, c'est un très grand partenaire. La différence, c'est que nous, on est vraiment concentrés sur la région de Portneuf et on conserve tout ce qui est documents au niveau privé. Donc, vraiment, les archives familiales, les organismes locaux, les entreprises. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher ces archives-là, ce qui va toucher vraiment plus une autre type d'histoire. Donc, l'histoire est pas mal beaucoup plus privée, beaucoup plus personnelle. Souvent, on peut jouer sur les émotions, justement, vu que, dans le fond, on va chercher tout ce qui est familial. Donc, tu nous as parlé très brièvement des métadonnées. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est? Dans le fond, les métadonnées, ce sont les petits mots-clés. Ce sont vraiment juste qui permettent de... On les rattache au document pour le retrouver. Ça sert beaucoup à identifier le document, à le retrouver beaucoup plus facilement. Les métadonnées, ça peut être n'importe quoi. Des endroits, des dates, des personnes. Puis ça, on l'attache au document, mais différemment, dépendamment du support qu'on a. Si on l'a sur version numérique, c'est plutôt facile avec, mettons, les propriétés, le titre. On peut jouer sur les métadonnées comme ça. À l'époque, version analogique, c'est beaucoup sur papier.
ou avec la série dans laquelle il est placé. Donc, mettons qu'on y allait à l'époque par une série, c'est un événement particulier. Donc là, on y allait avec ces métadonnées-là. Donc, mettons, on a l'éboulement de Saint-Alban en 1894. On a quelques documents là-dessus dans un fond X. Bien, justement, on va créer une série éboulement 1894 de Saint-Alban. On va le mettre dans la boîte, puis on va pouvoir l'inventorier comme ça. Ces outils-là numériques et analogiques, qui y a accès? Est-ce qu'une personne du public peut les consulter ou c'est vraiment réservé à l'usage des employés du centre d'archives? On encourage le monde à les utiliser, en fait, parce que dans le fond, on les crée, on essaie d'aller le plus précis possible pour augmenter le plus facilement la recherche. Mais c'est sûr que c'est dans un but, justement, de chercher, donc, pour le public, pour les chercheurs, d'aller les utiliser, c'est l'idéal. Vos partenaires se définissent par plusieurs acronymes. Il y a le SAPA, le BANQ, le BAC. Est-ce que tu peux nous les présenter brièvement? Oui, bien dans le fond, un SAPA, c'est un service d'archives privées agréé. Donc, c'est beaucoup de mots, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, c'est un organisme privé, mais qui est associé avec, ben là, avec nous, c'est avec BANQ, donc Bibliothèque Archives Nationales du Québec. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est les archives, c'est dirigé par le gouvernement. Et donc, au provincial, on a l'entité Bibliothèque Archives Nationales du Québec qui gère les archives du Québec. Mais pour couvrir les différentes régions, pour couvrir les différents organismes, donc un petit peu partout, ils font affaire avec les SAPA, donc les services d'archives privés agréés. Donc, un service d'archives, ça peut être une société d'histoire, ça peut être nous ici, par exemple, donc exclusivement un centre d'archives pour la région de Portneuf. Et on est, dans le fond, un partenaire privilégié avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc avec BANQ. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne? Bien, justement, on travaille ensemble dans le but de la conservation et de la diffusion du patrimoine archivistique du Québec. BAC, eux, c'est Bibliothèque et Archives Canada. Donc, eux, c'est le même principe que Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mais pour le fédéral. Donc, c'est une autre façon de faire un peu plus différente. Qui est aussi un partenaire. Donc, si je comprends bien, le Centre d'archives régionales de Portneuf est un SAPA qui est en collaboration avec la Bibliothèque d'archives nationales du Québec. Exactement.
toujours au Centre d'archives régionales de Portneuf. David, tu nous as sorti quelques incontournables des archives du centre. Peux-tu nous les présenter? Ben oui, ben on va commencer par exemple avec une carte. J'aime bien les cartes. Donc, hop, l'autre côté. Donc, je vous présente une bonne vieille carte de la baronnie de Portneuf. Parce que Portneuf est une baronnie, en fait, sous le régime de la Nouvelle-France. Qu'est-ce qu'une baronnie? Ben, en fond, c'est comme une seigneurie, mais à place d'appartenir juste à un seigneur, ça appartient à un baron. Puis en Nouvelle-France, en fait au Québec, il n'y en avait que trois. Il y avait la baronnie de Longueuil, la baronnie de Portneuf, puis la baronnie de Lillet. Donc, on est chanceux ici, on avait un baron. Ça m'intrigue, David, tu ne portes pas de gants pour manipuler cette carte? Oui, exactement. Ben, en fait, il existe deux écoles de pensée concernant justement le port des gants ou pas. Ceux qui, justement, promouvoient le port des gants pour la manipulation et celles qui, non. En fait, moi, je préfère ne pas en porter parce que souvent, avec les gants, on perd de la dextérité. Et ce qui arrive le plus souvent, le plus fréquemment, c'est que, vu qu'on perd de la dextérité, on est plus susceptible à briser les archives, dans le fond, justement, à les déchirer. Et ça peut, ben, dans le fond, les endommager prématurément. Alors que, ben, justement, ceux qui ne portent pas de gants, on a plus de dextérité. Par contre, il faut se laver les mains beaucoup plus souvent. Donc, on se lave à peu près aux heures, mais de façon, durant ce temps-ci, c'est pas un problème. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous présenter? Ben dans le fond, si on a des cartes, on a aussi des plans, comme que j'expliquais. Comme ici, ça, c'est le projet Baudry. C'est un projet qui ne s'est jamais réalisé, mais qu'on a vraiment tous les dessins. Ça, c'est des dessins originaux. Oui. Originaux et copies, mais... Comme c'est un projet qui ne s'est pas réalisé, ça devient quasiment... des fois, les copies peuvent devenir des originaux. Donc, ça en est un. C'était un projet d'un restaurant, d'un centre commercial? C'était un projet, justement, de construction, d'aménagement de toute une section de... C'était... Cap Santé? Pont-Rouge? Un de ces endroits-là. Donc, dans le fond, je pense que c'était Cap Santé de tout réaménager, donc construire un hôtel, construction d'un centre pour personnes âgées, construction d'une piscine. Donc, il y avait vraiment tout un très gros complexe dans le fond d'aménagement. Puis, on a vraiment tous les plans de ce projet-là. Très bien. Sinon, ben, on conserve évidemment, comme je disais, les fonds de photographes. Mais l'avantage avec les fonds de photographes, c'est que c'est souvent des négatifs. On peut bien les voir à la lumière. Exactement. Et les négatifs, l'avantage, c'est que dans le fond, eux, ce sont les originaux. Parce qu'on prend dans le fond, quand on prend une photo, c'est sur le négatif. Et après ça, avec le négatif, on crée le positif. Donc, on crée une photo comme qu'on collectionne dans nos albums. Et dans le fond, l'avantage avec ça, c'est que là, on a vraiment le vrai original. OK. Donc, cette boîte-ci, ce ne sont que des négatifs. Exactement. Du photographe Paul-André, ben, du fond du photographe de Paul-André Derry. Donc, ça peut être des photos de lui, de son père ou de Duplain. Oui, parce que dans le fond, Duplain avait vendu l'entreprise à M. Derry, père. Et après ça, ben, le fils de M. Derry a pris la relève puis a continué. Donc, on a vraiment tout ce gros fond-là ici. Pour continuer, dans le fond d'Ouville. Oh, qu'est-ce que c'est? Là, on a vraiment un beau livre de, justement, de... parce que dans le fond, c'était le magasin général d'Ouville, de Saint-Alban. Et là, on a vraiment, à la bonne façon, dans le fond, le monde qui prenait ce qu'il avait de besoin au magasin général, on l'inscrivait avec le prix. Et avec le terre, ben, quand ils avaient les moyens de payer, ils payaient. Et on a vraiment, avec tous les noms identifiés de chaque personne qui faisait affaire au magasin. Alors, on peut suivre les achats de nos ancêtres, de nos arrière-grands-parents dans ce livre-là. Et oui, et on peut même comparer les prix de l'époque à aujourd'hui en plus. Donc, par exemple, on peut prendre quelque chose qui se lit bien. Dix clous, ça valait 80 sous. C'est pas mal. C'est pas pire. Donc, on peut vraiment comparer différents prix grâce à ça.
Dis-moi, David, comment t'as effectué cette sélection d'archives-là à nous montrer aujourd'hui? J'y suis allé vraiment un peu montrer la diversité de qu'est-ce qu'on conserve. Donc, un petit peu partout, un petit peu de toutes sortes de supports. Je trouve ça plus intéressant que de montrer, par exemple, seulement le plus vieux document qu'on conserve. Donc, montrer vraiment que tout peut être archivé, en fait. Et il date de quand, le plus vieil archive? Ici, il date de 1699. C'est la donation de la seigneurie au Sieur Chavigny. Donc, ça date quand même d'il y a longtemps. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Celui-ci, c'est dans le fond, c'est un peu spécial, c'est la collection du cégep François-Xavier Garneau. À Québec. À Québec, étrangement. Mais c'est que le professeur d'histoire du cégep, il faisait faire à ses étudiants des recherches sur les contes, les légendes et les mythes de différents endroits au Québec. Et on a ici, en fait, toutes les recherches de ceux qui ont été faites pour Portneuf. Donc, tout ce qu'il y avait dans la région. Et donc, on se ramasse avec vraiment toutes sortes de contes ici de la région à travers les années. Donc, si on regarde l'inventaire, on peut couvrir, dans le fond, les recherches de soi de 1975 à 1995. Donc, ce sont des travaux d'étudiants. Exactement. Et les plus vieux, dans le fond, on peut les voir, sont soit écrits à la dactylo. Et on peut avoir une version des entrevues sur cassette. Et est-ce que vous disposez d'un magnétophone, justement, pour l'écoute de cette cassette? Une chance, oui, ça existe encore. On en a en haut, donc on peut les écouter en haut et savoir de quoi qu'ils concernent. C'est encourageant, de la perspective d'un ancien étudiant, de voir que les travaux qu'on effectue sont encore utiles. Oui! Qui l'aurait cru, hein? On devrait montrer ça aux étudiants pour les encourager à poursuivre. C'est vrai que c'est beaucoup plus motivant. Et sinon... Et peut-être un dernier? Un dernier. On va y aller avec. Et ça, ce n'est qu'un échantillon. C'est ce qui est extraordinaire. Oui, exactement. Par exemple, fait intéressant, bien là, on a justement un positif, comme que j'expliquais, d'une photographie du studio Xénon Pagé de Saint-Raymond. Donc, pris par Jean-Baptiste Martel en 1922. Quand même. Donc ça, c'est une autre parmi les centaines de milliers de photos qu'on conserve ici au Centre d'archives. Qu'est-ce que ces archives-là représentent pour toi? Dans le fond, c'est la mémoire. C'est la mémoire locale, tout d'abord parce qu'on est dans Portneuf, mais aussi une mémoire un peu nationale, je veux pas, parce qu'on fait partie du Québec, on fait partie de cette nation. Et je veux pas, tous ceux qui ont travaillé ici, qui ont vécu ici, ça a eu un effet, veut pas, sur la société. Donc, vraiment, les archives, que ce soit, dans le fond, au niveau général ou au niveau de Portneuf, c'est vraiment toute la valeur de mémoire, en fait, ce qui est importante. Et quelle valeur ça peut avoir pour les Portneuvois? Une valeur d'identité, une valeur de mémoire, une valeur historique. Donc, juste savoir d'où ce qu'on vient, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Donc, on peut faire vraiment toute cette belle ligne-là. Ça a une valeur aussi artistique. On peut utiliser les archives pour faire toutes sortes d'œuvres, toutes sortes d'expositions, qui soient plus traditionnelles ou plus avant-gardistes, si on veut. Donc, ça a toutes sortes d'utilités, en fait. Le Centre d'archives s'occupe de l'acquisition, du traitement, de la conservation, mais aussi de la diffusion des archives. Peux-tu nous énumérer des projets que vous avez faits pour contribuer au rayonnement des archives? Oui, en 2009, 11, dans ces alentours-là, on avait créé au Centre d'archives, en fait, un projet pour les salles d'attente, de vraiment exposer des différentes images. Donc, on installait le moniteur avec une petite clé USB, puis on pouvait vraiment diffuser les images de Portneuf dans les salles d'attente. On a le projet Chronoscope, dans lequel on a participé pour justement la diffusion des archives. Notre moyen, c'est sûr, numéro un, qui est le plus facile à faire, le plus rapide, c'est par Facebook, sur notre page Facebook. On publie aussi dans le courrier de Portneuf des chroniques d'histoire.
Donc, à la fréquence d'une fois par mois, à peu près une fois ou 6 semaines. Donc, on essaie de vraiment essayer de toucher plusieurs types de diffusion, plusieurs façons. C'est aussi par les collaborations, donc par les différents organismes qui viennent chercher des images. Donc, on peut diffuser par eux aussi. Parce que tout seul, vu qu'on est une petite équipe, c'est pas toujours facile. Fait que c'est vraiment par et avec les autres organismes, soit locaux ou même un peu plus grands, on peut exposer. Pourquoi c'est important de diffuser les archives, de les faire connaître? Sinon, ça servirait à quoi de les conserver? Si on ne les connaît pas, évidemment, ça va être juste avec des documents mis dans des boîtes, conservés dans un sous-sol. Évidemment, il faut les diffuser, il faut les utiliser. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut garder en fait cette mémoire vivante. Quels sont les projets actuels du Centre d'archives régionales de Portneuf? On a beaucoup de projets, en fait, qui ont commencé, qui sont en cours, qu'on travaille beaucoup dessus. On a dans le fond, dans les projets, plus à l'interne, dans le fond, c'est beaucoup du réaménagement, essayer de rendre ça le plus convivial possible. Au niveau de diffusion, on travaille beaucoup, justement, sur différentes plateformes pour pouvoir diffuser, sites web, des projets en ligne, des projets d'exposition. Donc, on travaille là-dessus surtout. Sinon, dans les projets d'acquisition, c'est sûr qu'on continue à essayer d'aller chercher toujours plus d'archives, de promouvoir en fait cette acquisition-là, de protéger ces documents-là. Donc, on travaille là-dessus, oui. Et toi, David, comme directeur du centre d'archives, as-tu des objectifs pour la prochaine année? Oui, ben beaucoup en fait. Mon but, c'est vraiment d'augmenter notre visibilité parce que, veux pas, les jeunes, on fouille beaucoup sur Internet. Et j'ai essayé de trouver de l'information, beaucoup d'informations sur le centre d'archives, au début, et j'en trouvais pas beaucoup. Donc, mon but, c'est vraiment d'augmenter un peu plus toute l'information qu'on peut avoir du centre d'archives. Savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme archives, puis les diffuser, en fait. Tu nous parles que tu as une petite équipe. Est-ce que tu peux nous énumérer ces personnes-là et nous présenter le rôle des bénévoles, parce que les bénévoles occupent une place importante également au centre d'archives? Oui. Dans le fond, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de traiter, de numériser ces documents-là. C'est beaucoup, beaucoup fait par des bénévoles. Dans le fond, c'est grâce à eux que justement on a avancé les fonds comme Sauvageau puis Derry. Donc, c'est vraiment par eux qu'on avance pour en fait augmenter cette visibilité-là. Dans le fond, notre équipe se compose dans le fond de moi, évidemment. On a deux, en fait, cet été, deux employés étudiants. On a aussi, dans le fond, des bénévoles. Donc, M. Baudry, que lui, il travaille pour la Société d'histoire de Cap-Santé, qui va être prochainement créée, qui est créée officiellement, mais qu'il ne reste plus qu'à établir. On a, dans le fond, Mme Louise Poirier, qu'elle aussi a travaillé dans la numérisation. Elle travaille à la Société d'histoire de Neuville aussi, comme bénévole. On avait eu Mme Tousignan aussi, qui faisait beaucoup, beaucoup de numérisation. Donc, vraiment, c'est ça, nos principaux bénévoles. Puis, ouais. On a aussi, dans le fond, les membres du CA qui s'impliquent, en fait. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'ils ne veulent pas, en tant qu'organisme à but non lucratif, j'ai un CA, on a un conseil d'administration. Et ils s'impliquent beaucoup, en fait. Parce que c'est du monde de tous les domaines qui vient nous aider directement pour différentes activités. Donc, soit directement dans les archives ou soit au niveau plus administratif. Et pour une personne qui nous écoute et qui souhaiterait devenir bénévole, comment on fait? Tout simplement nous contacter, en fait, soit par téléphone, email, Facebook. Donc, juste nous contacter, puis on va discuter, puis savoir c'est quoi qui vous passionne, c'est quoi vers quoi qu'on peut vous faire travailler pour faire avancer justement le traitement et la diffusion des archives.